Man ay Fatou Sarr dekk jëm ñaaji man nak limay gina liggéey moy geejji wa moy mbisa bi rek mbisa bi moy yoxos bi ak pañ bi mom lañuy liggéey dañuy dem outiko ñew liggéey ko bëm jekk ñun ñu diko jaay wa buñ ko jaayé yit ah luñ ci am rek dañ koy jëriñu wa kon lolu fofu lañ koy liggéey ak yoxos jën ci la pañ ci la kërëfët ci la motax ki mangaro ñun ñoomin ka kenn du ko fi fooy xamuñu benen période di way pi ñu taxaw ñun xalé yi légui xam jëriñam kenn du ko fi fooy L'une des fonctions de la mangrove, c'est la stabilisation du sol. Si aujourd'hui, nous ne reboisons pas la mangrove sur ce sol, la pluviométrie et les différentes activités vont éroder cette vase. Et une fois que cette vase est partie, ce sol va devenir stérile et rien ne pourra plus y pousser. On essaie de voir la mangrove comme un réceptacle, le lieu dans lequel se déroulent toutes les activités écologiques, à partir duquel les éléments nutritifs qu'il faut pour la croissance optimale, la reproduction, les conditions qu'il faut de façon naturelle pour que les différents êtres vivants qui s'y développent puissent vivre de façon optimale. Et aujourd'hui, si la mangrove est détruite, alors tous les acteurs, toutes les populations qui vivent de ces activités, qui vivent de ces ressources qui se développent à partir de la mangrove, toutes ces populations-là vont avoir des difficultés à pouvoir satisfaire leur quotidien. L'intervention du projet au niveau des îles du Saloum, c'est d'abord essayer d'appuyer l'aménagement, la gestion des pêcheries, de crevettes, de mollusques, d'huîtres, etc. Et aussi améliorer la chaîne de valeur. Le Sénégal est un pays de pêche, mais quand même il y a des difficultés en matière de gestion et d'aménagement. Effectivement, on remarque que les ressources quand même se raréfient et que cela vraiment justifie que des partenariats, ou en tout cas dans le cadre du projet, que le gouvernement puisse, disons, inverser cette tendance de surexploitation des ressources. Après la collecte, on réceptionne la matière première. On a une unité de transformation des produits coquillés pour pouvoir faire tout le processus de la transformation, de la réception de la matière première à la transformation jusqu'au conditionnement. On a besoin de 20 femmes. Les mois qui a plus de production se commencent en novembre. Jusqu'en janvier, mars, il y a la bonne production. On a 4 produits coquillés qui sont le yohos, le toufa, le pagne et le yet. La cuisson à vapeur. Cette cuisson à vapeur qui est très importante parce que là, il nous aide à la conservation, parce que ça étire tout l'eau qui restait. Pour ce qui est de la mangrove, il y a la restauration, ou plutôt le reboisement de mangrove qui est fait dans la zone, notamment à Diabniadio, etc., qui est fait à travers, via la plateforme mangrove de l'ARD, l'Agence régionale de développement de Fatick, et que, dont l'activité, en fait, disons, est conduite au niveau de l'Afrique de l'Ouest par la convention d'Abidjan. Alors, je suis là. Je suis venu à la salle. 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 Je suis venu à la salle.